j'avais des frissons sous la peau. Non, c'était l'idée que dans ce lieu, il y a l'accent qui est beaucoup mis sur la création. Oui. Et que du coup, on se dit que c'est bien aussi que nous, on puisse montrer un échange entre des musiciens dits classiques et des musiciens dits musique amplifiée. Et que c'était intéressant de confronter les deux sur une idée de création. Tenait au départ à pas du tout être dans une démarche de reconstitution historique. Et c'était juste saisir de cette correspondance-là qui se trouve être en 14-18, mais pour questionner des choses touchant à diverses époques, autrefois, aujourd'hui. Et puis on voulait beaucoup travailler sur les oppositions aussi, la terre, le ciel, la mort, la vie, tout ça. En général, c'est ce qui vient après avec les points de suspension. C'était vraiment en disant, en racontant cette histoire, comment on, qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là. On s'est juste dit, ces deux univers, il faut qu'on les confronte. Mais après, on n'a pas cherché à équilibrer, entre guillemets, les différents univers. En fait, on voudrait surtout qu'ils s'articulent, qu'ils soient logiques l'un par rapport à l'autre, quoi. Enfin, les uns par rapport aux autres.